Ouais, sauf que là, ça commence à être la marque d'un vie en ce moment. Là, je commence vraiment à me saouler un peu. En espérant que ça va passer. On oublie tout ce qu'on a fait et on relance et on bug comme si c'était ma première run. On va passer ça. Tant que je meurs pas. Enfin, on va faire le pas de Murphy Strat comme ça. Je recommande à tous les runners de faire comme ce que j'ai fait pour ce passage avec deux plateformes. C'est tellement compliqué d'utiliser Murphy ici. Ouais, là par contre. Oh, ok, ça c'est pas très propre. Vraiment pas propre ce passage. J'ai carrément pas pu dasher. Tant pis. On se concentre. Murphy, c'est le mal. Surtout au niveau 1, Kappa. En tout cas, un speedrun, c'est assez difficile à manier. Bon, ça c'est beau, par contre. Ça j'aime bien. Parfait. C'était très propre. Alright. C'est bien, ça c'est vraiment beau. Très très propre. Non, ça c'est petite erreur, pas grave. Ok. Ok, je vais le prendre. Ok, c'était excellent dans l'ensemble. Enchanté. Oh, c'est pas vrai. Ça, par contre, c'était vraiment moche. Là, je viens de banquer sur l'arbre. Oh. Ça se passe assez chaotique ce niveau. Je peux vous dire, j'ai fait plein d'erreurs d'optimisation. L'erreur d'optimisation. Mais ça passe encore. Sauf la grosse erreur sur le tout début. Allez, monde 3, 2. Le monde 3. Le monde de la cuisine. Bestia de los Muertos. Non, 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 faut le cœur, faut le cœur! Ok, je l'ai eu. Ouais, là par contre, ça va.
mais pas propre. Et j'ai pas l'habitude de passer ici. Oh non, c'est pourri, c'est naze, c'est naze. Ok, je fais non, là... Là, je commence à pas être satisfait de ce que je fais. Vraiment pas. Encore une erreur. Il reste plus qu'à se prendre une mort surprise quelque part. Faut que je finisse une run au moins, sincèrement. Faut que j'en finisse une. Parce que là, les derniers niveaux, je les ai pas encore visités, mais pas du tout. J'ai que visité le monde 1 et 3 jusqu'à présent. Ok. Pas très beau, mais... Tant... Je peux me prendre un hit, ça va, mais tant que je crève pas. J'ai l'impression que c'est le fait de toucher au vaisseau que je peux récupérer mon punch. Allez, maintenant mon niveau qui a été run killer. Lucha, Charles. Lucha, ou je sais pas comment en fait. Putain, je l'ai encore raté. Strat, sérieux. Les roulades, je suis vraiment mauvais. J'ai dû reset deux fois ce niveau parce qu'une fois je me suis pris une mort. Et l'autre fois, bah j'ai softlock. Putain. Ce jeu. Allez, quoi! Ça mec. Nul, c'est nul, c'est très nul. Allez, please, please, je vais y aller doucement, voilà. Il y a quand même 6 secondes à gagner si on va assez vite dans ce niveau. Bon, Eye of the Tiger. Sur mon pubis, je suis mort sur ce niveau. Ouais, je vous jure.
ce passage il est beaucoup plus dur qu'il y paraît. Les inputs sont... C'est très précis. Le timing est très précis ici. Ça m'arrive souvent juste de... Par exemple, juste sauter, de faire un saut pas assez haut. Et je me prends un ennemi avec des piquants et j'en crève. C'est précisément le dernier que je me suis pris sur mon PB avant le tunnel. Là, je vous jure, j'ai failli cogner trop tard. Oh, et ça, oh, bravo, bravo. Une autre mort sur Eye of the Tiger parce que j'ai cogné trop tôt. Tant pis, on continue quand même. Ok. On respire un peu, on plonge dans l'océan parce qu'on va pas respirer pendant 2 minutes. Si vous voulez une bonne excuse de prendre la droite qui semble un petit peu plus lente, que beaucoup de runners ne prennent pas, non pardon, je veux dire la gauche, l'excuse bien justifiée pour prendre la gauche, c'est que Mel West le fait. J'ai cru que j'allais être obligé d'atteindre au risque de me le prendre. Bon, ici je fais pas le boost parce que il va y avoir ce boost que je vais tenter d'assurer pour ce boost là. Et si je garde le cœur, bah c'est tant mieux. Voilà. C'est ok. Bon. Ça va bien pour l'instant. Je suis quand même assez content de pouvoir enfin faire d'autres niveaux que ceux du monde 3 et 1. Et je sais que j'ai environ 20 secondes à gagner sur mon PB à cause de Eye of the Tiger. Encore une fois. Ok, là par contre, c'est pas très propre. Plein de petites fautes par-ci par-là. Ça va pour l'instant. Allez, ça par contre, petite faute. Oh non, please. Ça c'est pas trop grave, mais c'est un peu chiant. Ça par contre, c'est vraiment un passage hyper relou. Vraiment relou comme passage.
Allez, 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 save strat. Oh, il est là en plus pour tirer la plateforme. Ok. Ça va. Le niveau 6, si tu y vas doucement, ça va. Sauf qu'on va quand même aller tenter. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'on va pas aller doucement. On va tenter de prendre les virages les plus courts. Et ça peut mal virer, du coup. Et en passant, un petit conseil. Essayez surtout pas de dasher dans l'eau. C'est inutile. Vous allez pas plus vite en dashant durant l'auto-scrolling du poisson. Mais vous pouvez vous retourner assez vite. C'est la seule utilité, vraiment. Pour prendre les virages les plus courts, faut dasher. Comme ça. Hop, net et direct. Net et direct encore une fois. Encore. Still. Et là, plus de raison de dasher. Ok, c'était joli. Ah oui, il faut dasher par contre quand on tombe dans le cercle. Dans l'eau. Dans cet océan d'eau, disons. Il y en a qui dash ici, pas moi. On va tenter le damage boost. Et hop, joli code. Ah, par contre, je manque tout le temps ici. C'est pas très marrant. Et ici, excellent truc de dasher directement dans les propulseurs. Et c'était du propre. Well, on a carrément fait la moitié. Olympus Maximus 5-2. Moi j'ai failli j'ai failli par réflexe rentrer dans le 5. Ah, c'est un gold. En fait, c'est parce que c'est la première fois que je fais le damage boost. Et un deuxième truc, je regarde pas mes splits en run 1 sur cette run. Ok, là par contre, c'était pas trop, il faudrait que je revise ça. Je sais plus c'est quand qu'il faut que je chaude précisément. Oh non! Oh non! Grosse, grosse erreur. Attention, passage hyper dangereux. Ok, ça va. Pas hyper dangereux, mais assez dur à optimiser en fait. Là par contre j'ai un peu abusé des dashs, j'aurais pu... C'était dangereux. Et pareil. Alors ici ça pourrait être un autre gold, mais comme je dis je vois pas mes splits. C'est absolument pas ce que je fais. Kappa. Allez 5-3, le labyrinthe. Plein de mini-optimisations, combien d'entre elles me suis-je rappelé? Est-ce que je vais mourir sur l'écran de fin aussi? Ah ici par contre, fallait pas que je saute. Ouais, ça commence très très mal. Ouais, c'était pas impressionnant non plus.
Soso, début catastrophique, deuxième moitié j'ai bien aimé. On va voir. Non pas deuxième moitié, deuxième tiers. Alors, ici, je suggère de jouer lentement. Dû à la dangerosité de tout ce passage. Ok. Très bien. Beau niveau. Ok. Ici, la strat, pas le fast strat. Bon, ici pas de chance par contre. On va dire que j'ai perdu environ une minute côté mort, 40 secondes au moins. Pas sur cette mort, mais sur toutes les autres en fait. Et depuis que je sais que je peux redasher après avoir cogné un ennemi, ça, les mirrors, ça va vraiment mal. C'est vraiment la strat que j'aurais jamais dû apprendre parce que le nombre d'erreurs que je fais à cause de ça. Ça, après la mort que je me suis c'est parce que j'ai voulu faire un double dash. Mais pourquoi t'es pas passé? Merde, ma sortie elle était naze. Allez, Toad Story. Yes, au moins la fast trap, j'ai eu first try ici. Maintenant que je connais le secret. Je vais retenter la même ici. Sauf que ici c'est assez difficile. Ok, je l'ai eu un deuxième try, je gagne quand même du temps. Faut que je voudrais juste pas se prendre une grenouille dans la gueule. Ouch. Pas grave. Là, je vais gagner du temps, c'est quasi certain. Le niveau était très propre. Et j'ai fait les strats que je faisais pas avant. En tout cas, c'est surtout là que je vais faire plein de gold parce que je fais plein de strats que je faisais jamais avant. Donc, c'est tout ici que ça va se jouer en fait. Ici, il va y avoir un ou deux trucs assez compliqués qui vont être teintés. Ah, ici, par contre,
Ça aurait été assez simple. Ici, j'avais une face crate à tenter, que je précise que je viens de rater. Oh, là par contre, c'est encore une fois le double dash. J'ai tenté. C'était pas une bonne idée. Ici, je viens juste de rater un autre skip, pas vrai? Ok, faut vraiment que je revoie ce niveau en fait. Ok, ici. Ok, parfait. Je vais quand même revoir ce niveau parce que un ou deux trucs qui étaient assez discutables. Oh non, allez! Il y a une ou deux strats que j'ai ratées. Mais je le dis ensemble. Encore une fois, le 2-3, énormément de temps à gagner. Plus que dans le 2-2, je crois. Parce que là, il y a une grosse différence là-dessus sur est-ce que tu connais bien le niveau ou pas, le temps que tu gagnes. Je dirais que t'as 20 secondes d'écart à gagner. Oh, par contre, pas de chance alien, j'aurais pas dû. Ici, on dash, coup de pouillet. Ici, je vais essayer de rien manquer, ce qui va être assez compliqué. Ici, petit à petit raté. Ici, ici. Ok, j'aurais pas du kick. Pas grave. Non, là par contre, ça c'est vraiment moche. Ok, actuellement, je crois que c'est la première partie qui est la plus compliquée. Oh, là, par contre, grosse erreur. Ah non, ok, non, c'est pas une erreur, en fait. Je pensais qu'il fallait que je monte ici, ce qui était pas le cas, en réalité. Par contre, ici, mes erreurs me retardent d'un zinc. Ici, je vais tenter une super fast strat que j'ai complètement ratée, malheureusement. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Oh, là, par contre, il fallait que... Ici, c'était pas très très propre. Sauce-tôt ce niveau quand même. Je vais gagner moins de temps que je vais gagner moins de temps que je l'aurais voulu. J'ai tenté la Melway Strat. Non, pas passé. Ouh, je me suis pas une... je sais pas une prendre la plateforme. Ouais, ici par contre c'est... Oh non! Tant pis. J'ai le cœur. C'est hyper dangereux de tenter le... Non, j'ai même pas tenté le damage, le boost. J'aurais peut-être dû le tenter, mais si je le ratais, ben je mourrais. C'est surtout ça qui me faisait peur. Ok, là c'est le niveau est fini. Je rappelle, j'ai 40 secondes de mort, donc ce serait largement améliorable si c'est ma perf. Allez. Ce niveau,
petit, il me semble. Ce n'est pas si compliqué qu'il en a l'air. Ouais, bon, par contre, c'est zéro petit ce que je fais. Ok, ici il faut surtout pas sauter. Ouais, c'était pas top. Sympa le saut. Ok, presque fini. Orchestral Chaos. De pas mourir. Normalement, habituellement, je meurs pas à ce niveau. Mais on peut mourir partout dans ce jeu, de toute façon. Et voilà. Et voilà. J'avais bien fait de prévenir. Normalement, je chauffe sur ses ennemis. Ouais, je chauffe sur le premier. Ah, ok, il faut que je chauffe sur le premier et il enchaîne les deux autres. Là, j'ai clairement perdu une minute en mourant seulement. Et je suis mort sur les deux niveaux musicaux à part de ça. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je les déteste? C'est toujours des grosses morts dans les niveaux musicaux. Allez, un dernier. Le crapaud armé. Bon, moi j'aurais fini une run aujourd'hui, je pourrais donc être content. Ah, oh, c'est vrai, ce mur, c'est toujours... C'est un banc, je l'oublie tout le temps. Ah non, allez, please. Allez, une ou deux erreurs. Pas grave. Ah bah salut! Je m'attendais à ce que vous pop de l'autre côté. Là par contre, c'est complètement... Ouch! Ah, je suis... Oh, ok, ils me suivent, ils me suivent. Ils me suivent vraiment. Merci pour les coups de main, les grenouilles. Ça va être un peu tendu. Ok. 32-18. Eh ben... Merci le pinouf. Ouais, 15 secondes de la mort au niveau musical.
5-3, c'est apparemment 8 secondes. Ensuite. Niveau musical, j'ai quand même gagné du temps malgré ma mort. Il y a quand même beaucoup d'améliorations à faire. Ouais, il y aurait aussi le niveau du dragon à mettre. Je rappelle que je fais pas ce niveau. Une minute 10 pour mes morts. Ah ouais, ça me fait une marge. Ça me fait une bonne marge. Je rappelle que j'essaie quand même de viser le sub 31. Ah ouais, là par contre, il est déjà 17h30 chez moi. Je vais devoir manger bientôt. J'ai malheureusement pas le temps de faire d'autres runs. Ce sera probablement plus tard au cours de la soirée. Donc du coup, je vais couper. Eh bien, merci d'avoir regardé les gens. Et à la prochaine.